Bon voilà, on est parti en vidéo, c'est le Goulta, c'est E4, je sais plus quoi contre. Attendez, je vérifie. C'est E4D contre Joel D. Je vais filmer en mode freestyle parce qu'il y a mon frère qui joue en même temps, donc je vais regarder, vous allez l'entendre. Mais comme ça au moins vous aurez le combat. Et si à 21h il n'est pas fini, eh ben je couperai, j'irai streamer Ulette A. Comme ça on aura une bonne qualité. Donc voilà. Donc toi de ton côté ça donne quoi? Ça donne qu'on lance le combat. Ouais mais je regarde mais je veux dire en face et tout ça tu sais pas encore. Bah, il n'y a pas beaucoup de victoires à partir moi en face. Ah bah ça va. Tiens, Yori qui boite en fait. Je vois. Il est moche ce perso. Donc alors, du côté de E4, il y a Lord Crush, la Yop, Black Need, le Xelor, le Dragon de Légende, les Kaflip, et Roosevelt, le Fekka le plus bourrin du jeu. Et du côté de Joel, Onizuka, Bokal, Kaioju et Sao la SRAM. Alors, que fais-tu, Yorick le boiteux? Ta pelle, elle est dégueulasse en plus. Le Rick Pentaki, il a le swag. Ouais, il est bien. C'est lui que tu voulais acheter. Alors, ça a l'air d'être bon. Mais arrête de bouger. Voilà. Bonjour le pingouin. Bonjour les pingouins. Voilà, c'est parti. Quand t'as un problème, toi peut-être. Merci, il me semble bien. Il me met un truc de poison, ben je lui mets un ghoul. Si je régène toute ma vie et lui, il a perdu plus. Ah, tu te tapes Timo. Alors, pile à l'heure, Enfin, ça peut être parfait. chiant, Timo. Alors, piège répulsif, piège de silence. Alors, un bond. Un souffle. Antimie à 200. Oh là 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 là. Premier sang. Je me suis fait débouter, déboîter. Il m'a insta embrasé et tout. Ouais, j'ai vu. J'ai vu la fin en fait. Alors, du côté de Joel, ils vont pas jouer la faction. La fraction, pardon, je sais pas pourquoi j'ai tout le temps faction. Allez, tu peux la voir, hein, Jax. Alors, il y a un glyphe d'aveuglement. Jax reste pas là, si. Jax, il le dépop, hein. Il attend qu'il avance un peu, je pense. Oh, il s'est fait Voilà. brain. Oh, putain, il a chié, quoi. A chié, le mec. Vraiment nul. Vraiment trop nul. Une grosse bouse. Allez, 0-4 pour eux. Voilà comment commencer une très bonne game. Alors, le Xelor, il n'arrive pas à enlever de PA. S'il en enlevait un à Lord Crush, il met Ouais, un j'arrive pas à cadran. farm. J'arrive vraiment pas à farm.
Il est encore là, ce petit. Et il est encore là, Nissarolal. Donc c'est une double team Faker, hein, donc c'est pour ça que j'ai dit qu'à mon avis je filmerai pas tout le combat parce que c'est super long les team Faker. Il est encore là ? Sérieux ? On va faire une game sans avoir un deux mecs contre moi. En plus t'as un arbre et t'as un panda donc Putain ça fait mal ce truc. T'as vu la vie des sbires comme elle a baissé ? De quoi ? Ben, il a fait un tortipousse là, comment on les appelle. Ben Maokai c'est ultra OP hein, c'est putain de bon hein, Maokai. Moi j'arrive même pas à farm. Ben mais t'es ghoul hein, pour farm. Non j'ai pas assez de mana, t'imagines pas comme c'est mana fort hein Yorick. Tu fais deux sorts t'as plus de mana. Mais oui mais utilise juste tes ghouls pour farmer non. Non les ghouls c'est ça qui prend les sorts, j'ai que des ghouls hein, comme sort. T'es sérieux? Oui les sorts c'est des ghouls. Ah, t'as rien d'autre. Putain, et t'as des quoi? T'as des ghouls qui tapent, des ghouls qui ralentissent Ouais. Des ghouls qui te protègent et tout ça. Oh yeah. Ceux qui restent près de toi, c'est ceux qui tapent. Oula, les K-Flip qui est venu au cac directement. Des ouais, c'est réflexes. Vrai, Maokai y a pas eu l'assist. Roulette 5 ans de retrait de PA. Ah, par contre... Comment il s'appelle Onizuka, il va prendre cher. À moins qu'il ait une immu ou quoi sur lui. Non, il a juste les trucs. Il bloque le passage de l'écaille, il lui met des réflexes aussi pour avoir de l'érosion. Il met une roue de la fortune sur la yopette. Ouh là là, l'écaille va prendre tellement cher. Ça fait déjà 3 gangs de Maokai au top. Hein. J'en ai eu un qui était totalement pourri, moi. Alors. Une attaque mortelle qui one-shot la Kawat. Donc c'est au tour du Yop. Il perd 2 PA. Il va sûrement mettre un souffle. Non, qu'est-ce qu'il fait? Ah, ben c'était prévu. Voilà, et bon, il crit, et là il va y aller à l'intimi. Boum, boum. Alors, il se prend quand même du 300, entre 200 et 300 malgré les armures, donc c'est pas mal. Sinon... Onizuka, il est à 3400 HP, ça va, il a pas pris trop cher. C'est bizarre qu'il ait autant en fait. J'ai pas compris. Ah non, il a de l'érosion, d'accord. Putain, j'étais en train de me dire, c'est pas possible. Le gars, il se prend à moins 900 et il a perdu que 300 de PV. T'as un vol de vie aussi avec tes ghouls. Moi. Bon. Bah, si j'avais pas de vol de vie, c'est totalement ridicule, ce perso. Tu vois celui que tu viens de faire, là, qui tape. Il y a un décalage. Non, mais... Pas celui que t'as fait sur... Si, celui que tu viens de faire sur Timo. Le vert il ralentit et il tape. Ne gang pas, je vais crever encore. Il gang maintenant, c'est le moment. Moi je suis pas con, tu vois, moi je fais ça juste un. Voilà, et maintenant l'ulti, c'est là. Quoi l'ulti ça réanime pendant quelques secondes. Ah oui, je me rappelle. C'est bon, Jack. Oui. Bah Timo savait qu'il était mort, juste ça. Alors le Xel qui va au vol de temps. Oula là là là. Il enlève plein de vie. Plein de PA. Lord Crush qui a plus qu'à 7 PA. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer les résistances. Bon là c'est soumis en garde donc c'est pas vraiment. Ça reflète pas vraiment la réalité. Mais, ils sont belles quand même. T'es pas passé loin. Hein. T'es juste au-dessus de moi encore, ce con. Eh, ça fait combien, 4 ou 5 ganks hein, en 9 minutes? 4, je crois. C'est vrai que de la résine magique, il va être mal le Timo.
tous en face. Kenen AP, Timo AP, Nami AP, Maokai AP, il y a que Vayne qui est AD. Alors il a sorti une roulette, 400 agilité, oh yeah, ça va faire mal ça. Bah non ça va en fait, t'as pas tant que ça. Allez run petit Timo. Et voilà, il fait une libé pour mettre le Yob dans tous les glyphes en même temps. Tu es petit et tout frustré petit Timo. Alors roulette 50 coups critiques. C'est tu bien mets en fait. Des champis plein les bush du Karita game en faisant un aveuglement. Petit Timo. Petit Timo. Petit Timo. Et à la fin, t'es pas censé les one shot? Qui? Toi. One shot qui? Ben les gens. Non, je suis un tank. Ah. Je sais pas, quand je jouais avec Best, lui, quand il jouait Yorick, il faisait des putains de scores. Ouais, parce qu'à un moment, c'était ultra cheaté. Pourquoi ils l'ont modifié? Je sais pas. Quand je regardais Best, il avait trois fois les dégâts que j'ai, moi. Parce qu'il le joue AP, sûrement. Moi, je joue tank. J'ai un Grave qui fait du 1-2, donc ça va, mais le Ryze qui fait du 0-3, ça va pas, tu vois. Vas-y, active ton Z, maintenant tu reviens et tu te prends quand même ma goule. Non, tu te la prends pas si tu te la prends. J'ai 1000 de mana, j'ai déjà presque plus rien. Prends ça, toi. Bon, au moins Ryze l'a eu une fois. C'est qui? C'est Ryze là qui est dans le bush? Dans quel bush? Bah toi, il y avait quelqu'un dans le bush près de Timo. Mes ghouls. Ah. Alors les... Zepedio, putain, les K, ils subissent tellement rien. Encore un petit Maokai au top. Bonjour, ça va? Sinon, la vie, oui. Bon ben, Maokai... Ouais, ça va, tant qu'il gang par là, c'est pas trop grave. Couille quoi, je peux pas avoir une lane où je me fais pas gang. Regarde, et une putain, un truc de plus. Contre Timo, contre toi, il est peinard. Hein. T'as le Maokai, aïe. Non, c'est bon. J'ai pas trop de mal à part au niveau du mana. Hein. Mais non, mais je veux dire, le Timo, il peut y aller quoi, il est tranquille en fait. Oh là là, les glyphes qui font tellement de trucs. Regardez ça, le nombre de glyphes qu'il y a sur la map. Et le problème, c'est que la vie des persos descend tellement peu. Suffit qu'ils aient un soin de chaque côté et ils vont se retrouver full life tout le temps. Allez, bouffe, 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 Timo, bouffe. Allez, quoi, il a 2 HP, je parie. Mmh. Raclure de pas la merde. Alors, le Xel qui continue. Allez, il en veut à la Yopette. Hein. Il en veut à Lord Cruche. Il y a beaucoup de retrait. Je sais pas si on peut le voir. Oui, on voit juste ses esquives. Mais il doit avoir, à mon avis, dans les 100-150 de retrait de PA parce qu'il enlève vraiment beaucoup. La Yopette, elle est à. Je crois que c'est 130 que j'avais vu. Parce que là, elle perd de retrait de PA. Non, ben elle est à 108. L'autre Xelor, il est à 102. 135 Roosevelt et il perd quand même des PA. Mais ils ont. Et 133 Onizuki. Enfin, c'est monstrueux. Des grosses retraites de PA de chaque côté. Bon, ben première game de promo, je vois pas comment la gagner. Avec une team de. Joue calme et puis peut-être que ça va aller. Je suis pas Nasus, hein. Ah, je sais bien. En fait, tu vois, pour faire des parties comme ça, quitte à ce que ce soit chaud en lane, mais Nasus, au final, il va te servir à mort. Ça se joue à AP ou à AD
Fous la paix en face. Ça le truc, moi je vais avoir de la résine magique, ils vont rien me faire, mais c'est pas moi le problème. C'est les autres, là ils sont en train de feed la Vayne, et Vayne c'est la seule AD, elle fait une 5-0. Donc voilà quoi. Un peu worth it pour elle. Ouais. Les destins d'Ika qui font 0 et qui fait 67 avec le pêche tournoi. Ils mettent toujours de l'érosion. Oh mon dieu, mais c'est quoi cette tarte, j'en ai marre. Oh là là. Ça saoule la force quoi. Allez bête, bute-le. Non, de fou quoi, il y a des champis partout. Ah, faut surtout pas aller dans les bush. Alors, ils mettent de l'érosion. Il y a mes ghouls qui se prennent les champis, ça c'est cool. Ah ouais, je viens de voir. Peut-être quand t'auras l'ignite, tu peux y aller. Enfin, l'embrasse, tu pourras essayer de le tuer. Je pourrais essayer. T'as pas encore utilisé l'ulti, là, en fait. Non. Bah non, je suis pas mort depuis que je l'ai. Je le savais qu'il serait là, ce PD. Tu mourras pas, vieille merde. Jamais. Jamais tu mourras. Il mourra peut-être. Non, il mourra pas. Ah là là, le combat qui n'avance pas, il se passe rien. C'est chiant, les Team Faker. Oh là 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 là. Juste la vita max de l'Ortruche et de Onizuka qui baisse. Il est quand même plus qu'à 2800, allez. Joe Germule l'érosion. Ouais, ouais, y a que Onizuka en fait qui est bas, hein, mais c'est parce qu'ils tapent beaucoup plus, ils ont la Yopette de leur côté. Eux, la SRAM, tant qu'elle est pas invisible, elle saura pas faire de dégâts. Ils ont beaucoup d'érosion du côté de Joel. Nizuka, Bokal, Kaiju. Ah, il y a Prudential. Tu sais que je suis même pas sur la page d'Eclipsia. Il dit que Xerator est de retour. J'ai vu hier soir. Vayne 6-0, Kennen 4-1, bien joué ma team. C'est des pros, tu vois. Ça c'est des argents, oui. Toi, Jax, il fait du combien? Il fait du. Bon, Jax, ça va. Ryze, 600 victoires, il fait du 0-1. Non, il fait du 1-5, pas mal non plus. Gray, il va combien de victoires? 1000. Il fait du 1-4. Oui, tu vois les pros. Tu vois. Putain. Pourtant, vous avez une belle team quand tu réfléchis. Ah, le jour où je suis à 1000 victoires, je suis en diamant, quoi. Ça, tu tapes quand même bien avec ton attaque de base maintenant. Oh là là, les champis. What the problem? Même il faut rien, j'ai de la régène en plus. Ouais, t'as 7 de régène. What the problem? What the problem? C'est pas ma régène de PV, c'est mes ghouls, je parle. Ah! Regarde, il arrive pas à me toucher, regarde sa vie. Il vient d'arriver. Toi, tu tapes juste les champis en fait. Alors, Richter des PA, allez, encore. Allez, il m'a un flou. Il flash in, il faille flash out. Oh putain. Beau, très beau. Fais gaffe s'il y a Maokai qui arrive. Mais je le qui vienne Maokai, garde, on se le fait Maokai. Y'a pas de problème Maokai. Il est là. Oh mais il a plus de vie, c'est dégueulasse. Bon bah flash out.
Vas-y, continue. On bat les couilles, allez. Non. Et n'empêche, les champis de Timo, ça te fait des dégâts, hein, mode de rien. Ça m'est rien. Réellement, ça m'est vraiment rien. Allez, on cache le top. Et peut-être y aura un mini moyen pour reprendre la game. Voilà. Moi, je suis bien dans ma game, les autres pas, c'est ça le truc. Et qui tombe sur le ciel, c'est ça. Ah oh, oui, Under Tower, allez, putain, Alors, 105 retraits de PM, putain, ils enlèvent quand même tout, quoi, c'est abusé. il pue la merde, le Ryze, moi, c'est une. Mais Ryze, depuis qu'il a été modifié, ça fait plus C'est un grand-chose. déchet ambulant. Putain, t'as un peu de résine magique. En plus, avec le visage, t'as beaucoup de régène PV. Je t'ai dit que moi j'étais bien, c'est eux qui sont à chier. Ouais, vas-y, râle, mets un surrender, jamais. Jamais. Il a mis un surrend, il est fou. C'est pas fini, hein. Bah 5-16, Les Cloud 9, ils sont revenus avec 25 kills de oui, mais il n'y avait pas 3 tards ou 4 tards dans la même équipe, tu vois. J'aurais une Asus, je me serais arrêté au top, je farmerais non-stop. Mais là, Ils j'ai. disent que les cas de Joel. Ah ouais, putain, il a plus que 2000 PV. Et Dragon, ouais, non. En max, il a 3500. Donc peut-être on va voir Onizuka qui va peut-être tomber. What's your problem? Kenan Par contre, Kefil, il vient je vers le moi, il fait. recrute, il a plus que 2500 aussi. Faut faire attention. On va bien voir. Renvoi de sort sur Lord Cruche. C'est bien en fait les ghouls. Vous avez swap? Bah, j'ai swap sans lui demander parce que voilà quoi. C'est pas que Kenem ne me touche pas, mais il y a que Vayne qui me toucherait dans leur team donc. Quoi? Les Ah, il y a bulls. Maokai, d'accord, on court là par contre. Il y a Vayne en plus! Oh là 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 là! Oh là là, les dégâts! Ils te font rien. Ah si, là Ouais, maintenant. bah voilà, bah Vayne quoi! C'est quoi cette team? J'en ai marre! T'aurais dû utiliser ton ulti. Mais ça servait à rien, je pouvais pas les tuer. Ça me réanime pendant 10 secondes en clair pour faire plus de dégâts, mais. Non, Ryze! You're dead! Non, mais il dit que Ryze c'est pas un problème. Il dit que c'est. Enfin, il dit que Kennen c'est pas un problème. You dead, I hack your PC. Alors, il y a eu un rollback de la part de Kaioju, de Joel. Parce que Kaiju. l'Oreka a pris tellement d'érosion qu'il est plus qu'à 2049 PV max. Donc il venait de 4000. Par contre, leur cruche, elle est à 2800, ça a baissé aussi. Roulette 450 agilité. Allez, voyons voir Onizuka qui va foncer sur le dragon. Il y a peut-être moyen. Les 4 de les 4 va prendre cher. Ouais. Onizuka qui a encore 9 PA. Il peut venir ici et lui mettre 2 griffes. Ouais, ou là pour avoir la diagonale. Il invoque le Doppelika, il fait pas. Putain, il a pas utilisé sa roulette agile, quoi, il est sérieux. Leur roulette du Doppel, 400 agilité. Ouh là 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 là. Ils ont 850 d'agile. Le Doppelika qui a tapé quand même pas mal. Ils sont sous faction. Alors roulette, 5 PO. Ou par contre le piège de silence. Ouh là là, il va faire mal. Est-ce qu'ils sont toujours sous piège de silence? Oui. Je suis sûr ils y ont pas pensé. IPA, ouais, il utilise CPA. On va bien voir. Oh ouais, il invoque, il utilise blindé de PA. Je suis un peu Il va prendre en train de faire cher, oh avec là le là là Jax. là.
Ouh, 450. Ça va encore, il s'en sort pas trop mal. 450, il a 1600 PV, le dragon de légende. Donc moi perso, j'ai pas vraiment de pronostic parce que je connais pas bien les teams. Je les ai déjà filmés chacune une fois au moins. Et c'est vrai que pour 8 PA, il s'est presque pris du 500, donc ça c'est évident. Tu vois, vous faites un bon team fight, il y a peut-être moyen de revenir. Mais moi je ne subis rien, c'est ça le truc. À chaque team, je suis le tank qui met la masse de dégâts, mais ils s'en rendent pas tu compte. Tu vois, là, vous faites un bon team fight. Oui, parce que je suis dedans. Bah, tant mieux, dites alors stay all mid, et puis après, voilà, vous allez. Mais voilà quoi. Alors, le Xel, combien de vita? 2300. Ça va, il a pas pris trop d'érosion, par contre, leur cruche, elle est la plus chère. Il y a le double de Saw qui est là-bas. Oui, je fais ce que je peux, les gens, mais aidez-moi, putain. Mais voilà, merci, la team de merde. Ulti. Mais ça sert à rien, que je mets l'ulti quand je peux tuer quelqu'un. Là, je ne pouvais pas. Ils sont 4, non, Hercule vs 3 mecs, voilà. Ça, c'est des grandes noobs. Grosse merde. Raclure de pelle à chiottes qui sert à rien. Putain, d'accord. Moi je dis, il devrait faire un personnage tourelle. Genre un perso qui bouge pas beaucoup, mais qu'il tape super fort dès le niveau 1, là, tu vois. Non. Si, si, ça devait être marrant. Personnage tourelle, c'est Mordinger déjà. Non, mais tu vois, t'aurais rien de déplacement en fait, tu vois. T'aurais genre unité de déplacement, t'aurais 50. Comme ça, tu n'avances pas, mais si quelqu'un vient près de toi, genre tu te caches dans un bush, le gars il arrive, ça fait pfiou, 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 pfiou. Je crois que vaut mieux focus Teemo, non? En fait, ultime recueil, ulti cannon, c'est tellement pété. Oh la Vayne. Triple. Quadruple ennemi, voilà! C'est ça une team de fou, ça. C'est une team de PGM, ça, tu vois? Franchement, t'aurais dû trop de balle, quadruple, voilà! Ce jeu de merde! Pentakill! Putain, quoi! C'est fou, c'est nul! Non, moi je dis tu continues Nasus, tant pis. Y'a que ça à faire, tu veux gagner, tu prends Nasus. Et tu gardes tes pays parce qu'on va te faire un putain de page de runes pour Nasus. Je m'en fous des runes, je m'en fous. Non, il te les faut, au moins t'auras de la régène et tu pourras garder... T'as reporté le Rise. Putain, quoi. T'as combien de pays? Attends. T'as toujours pas acheté de runes, putain, Alan. C'est super important. Hein. Garde tes pays au moins pour faire une page et puis après t'achèteras les persos que tu veux, mais... Il te faut au moins une page complète. Alors, la vita de Eka Dragon. Ça va, il est remonté un peu grâce au tour, rien. Hein. Eka Dragon, ok, il s'appelle le dragon de légende. Son nom est trop long, alors on le voit pas. Olizuka, Sao, Bokal, Kaioju, Sao, Lord Crush. Félin. Alors perception. Putain, ils sont tous sous faction, c'est dégueulasse comme combat. Oh là 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 là. Tu regardes déjà pour acheter un perso?
Non, je sais ce que j'achète. Quand j'aurai fini ce combat-ci, enfin le truc, dis-moi d'aller regarder pour te faire une page de runes et que je te dise combien de RP tu dois attendre. Et comme ça, après, ben, une fois tu les achètes et puis après t'es tranquille, quoi. Parce que sinon... Il est gold. J'en ai rien à branler. Quoi? J'en ai rien à branler, je top. Voilà, I3, la Lego. Comment est-ce qu'on dit de rien en anglais? Ben c'est bon, dis-lui que tu vas au mid ou en jungle, tant pis. Non, je m'en bats les couilles, c'est tous des grosses merdes, je vais leur laisser le pote s'ils vont perdre. Mais ouais, mais il a dit qu'il allait troller sinon. Je m'en fous, c'est des grosses merdes, ils méritent que de crever. Et il osera pas troll, on ne troll pas en classé. Il dit qu'il va troll, il va pas troll, comme tous, ils veulent juste un poste. Allez, on spamme les mises en garde. Là par contre je vais vous bouger ça parce que sinon on ne verra rien. Voilà. Quelle salle les matchs s'il te plaît. C'est salle L. Au pire tu peux prendre... Non. Il te prend le Nasus. Pourquoi t'as mis Desired? Il va changer, tu vas voir. Tu vas jouer où alors? Je sais pas, je m'en fous. Il aille troll sa game, on en reparle après. Ouais, mais Aatrox il joue où? Mais il est con quoi. Bah il peut jungle hein. Bah il a pas le smite. Et toi, tu vas où? J'en sais rien. Tu peux prendre Akali, hein, toi tu la gères bien. Ou Fizz, si tu sais le jouer. Non, contre lui, je peux pas. Je dois prendre. Vite, 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 je sais pas. Akali. Donc, c'est Noxia qui sup. Alors, du côté du Gulta, Levita baisse, Levita max baisse. Ils sont toujours presque tous full life, c'est bizarre. Les deux Eka Flip sont bas niveau Vita. La Yopette ça va, elle s'en sort pas trop mal. Ouais, l'Eka est peut-être mort, ouais, c'est vrai que si Lord Crush fait un rush, il y a peut-être moyen. Roulette de PM. Ça va être Dopu Dopu. Attention, l'Eka. Il se fait un contre-coup. 2537 de contre-coup. Un coup d'archétype sur
sur Black Knight, donc le Xelor, et il y va au top cage. Il fait seulement du moins 46, c'est pas énorme. Ouais, et 4 joue trop défensif apparemment. Par contre là il devrait faire attention parce qu'il y a une zone juste dégueulasse là qui est offert par E4 justement. Ici les 3. Alors, voilà. C'est qui votre support? Léona. Ah, Léona, ça va. Non, ça va pas, on a un Aziz Troll. Non, mais il a dit qu'il rigole. Non, il a rien dit du tout. Juste un gros troll qui va perdre au top, tu vas voir ça. Moi contre Brand, j'avais même pas quoi prendre, j'avais même pas vu. Dire un second, je fais Brand, je fais merde, pas Fizz. T'es prendre un cul. Contre un Brand. Alors, un Izukiya. Comment ça se fait qu'il est là? Ah voilà, ils ont trouvé les K-flips. Il a toujours que 1800 vita max. Hein. Les cas de Joule qui est assez mal, s'il se prend un bon tour dans la gueule, il va y tomber. Comme tout le sort, bah ouais, le cheat, il reste invisible, les cas, ça sert à rien. Quand le SRAM n'est pas invisible, quand t'es pas invisible. J'espère qu'ils vont réussir à prendre l'avantage, comme ça le combat va un peu s'accélérer, parce que j'aimerais bien vous le proposer en entier. Mais j'ai tellement pas envie de rater celui de Hulette que voilà. Ouh, la rapière qui a fait du 566, So qui a 2400 HP. Je pense que E4 va passer à l'offensive. Avec Roosevelt, le FKO. Alors Kaiju, qu'est-ce qu'il fait? Il va retirer l'épée, bien sûr. Il en enlève 2, il en enlève 2, il en enlève 3. Oh là 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 là. Full retrait de PA quoi. Il a réussi à tout enlever. Il a 7 PA le. Allez! Encore 2. Oh là 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 là. Et c'est abuser le niveau de ce combat quoi. Les Xelor des deux côtés. Enfin du. Des deux côtés. Ah non, des deux côtés. Ils sont juste abusés, mais c'est vrai que Kaioju il est vachement violent. Par contre là il a pas eu de chance, il a retiré 0 PA au SRAM. Ouais, la Yopette elle va se retrouver avec 3 PA pour un tour, c'est génial. Tu dois monter ton E avec Kali, c'est ça? Non, moi j'augmente le A. De quoi? J'augmente le A. Parce que le gars que je t'ai dit et que j'ai vu qu'il a fait du 40-0, il montait le E lui. Bah avant je montais le E, maintenant je monte le A. C'est bien Kali? Ouais, mais contre Brand, c'est Brand quoi. Ah, le A, c'est ce truc-là, c'est le truc pour Poc. Mmh. Moi, je pensais à un truc qui pourrait être bien, c'est de faire une team full, tu vois, genre, comme Akali, tu vois, c'est pas du mana, c'est autre chose. C'est très stylé, non? T'aurais genre Garen, Akali, Atrox, c'est des trucs. Je fais juste une team full assassin, c'est bon. De quoi? Je fais juste une team full assassin, c'est bon. Ouais, non, à part l'ADC et le support, quoi, tu vois.
Alors, les cas de E4, c'était censé bugger. Oh, roulette 110, dommage. Ouh là 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 là. Ah non, dommage de pousser, j'ai rien dit. Comment veux-tu que je farme bien contre un Brand? Moi, je t'entends dire aussi 110 dommages, c'est un peu abusé. Il fait encore un tour, rien, histoire de soigner un petit peu. Essaye de tuer la Kawotte. Il invoque un Doppel Eka Flip. Roulette 400 chances. Pour une fois que je suis pas au top, c'est quoi? Bah ça gangue au mid, tu vois. C'est jamais comme ça et maintenant que je suis au mid, voilà. C'est qui est jungle chez eux? Jarvan. Jarvan? Ouais, mais bah, il fait ouais. Pas trop de DI à lui. C'est un tank à la base. Pas Jarvan, toi. Non, mais ce que tu dois faire, c'est tu poke avec le A, comme il saura pas t'avoir le Brand normalement. Je peux pas jouer contre un Brand. Putain, il joue un peu agressif le gars. C'est normal, c'est un Brand. C'est le meilleur, un des meilleurs persos à 1-1. J'imagine pas les dégâts de ce perso. Il paraît qu'en 1-1, le meilleur c'est Syndra. Ouais, mais Syndra c'est ultra OP. Syndra, ça fait mal à crever. Putain, et sa brûlure constante là, ça commence à me casser les. Les boubours, tu vois. Boubours, c'est. Trop de balles. Crève en enfer. Fais gaffe à son arène, hein, parce que ça fait mal à mort. Oui, je connais mieux le jeu que toi, tout le monde. Alors, E4 ou Joel? Moi, je dirais que Joel est mieux parti. Que E4 est mieux parti, je pense. Oula, par contre, Roosevelt. Alors, attention, Nasus qui meurt au top, Nasus qui meurt pas, Nasus qui a de la chance, il est mort. Voilà. Nasus, thank you, you top, voilà. Good job. You top, my tra la la. Ma ding ding dong. Et ouais, je meurs, bravo! Merci à Trox! Ouais, il le tue, heureusement. Il y a des limites, quoi, putain. Il casse les couilles, toutes ces games. Faut pas que tu t'énerves, sinon tu vas perdre. Allez, Atrox, casse-toi. De toute façon, il a son passif. Ouais, il a. Atrox, voilà, il a. Il a eu? Ouais. Doublé Atrox. Oh, putain. Saute! C'est trop puissant, Atrox. Roosevelt qui a 1700 HP, pardon. Et Onizuka a 1600 aussi. Et il va perdre pour... Ouais, il va perdre tous ses trucs ce tour-ci, donc... Faut qu'il fasse attention. Enfin, peut-être pas tout, mais il va perdre beaucoup à ce tour-ci, en tout cas. Atrox fit, ça peut carry la game, mais bon. Ouais. Il m'a Atrox flashé. Tout court, hein. Un Atrox qui sait jouer, s'il le joue bien, c'est fini. Regarde Darien, quand il joue Atrox, c'est pété. Même Darien, il... Oh, ça me casse les couilles. Pourquoi j'ai pris un Calicon de Brand? J'aurais pris un Leblanc. Tu aurais vu le Brand, il se serait chié dessus. Ouais, mais Leblanc, tu sais pas le jouer super bien, c'est si chier. Je la joue pas souvent, mais je la joue bien. Encore un gang au mid, comme d'habitude. Ils ont complètement raté, par contre. C'est chiant, hein, sa brûlure. Regarde ma vie, il m'a fait un combo. Et il a quoi? Il a perdu quoi comme mana? Rien. Si, il est quand même loin, mais ça fait longtemps qu'il est là. Ouais, sur mon level 6, en plus, moi, je fais rien. Normalement, pour gagner avec Akeli, tu dois pas mourir avant le level 6, et je suis mort. Le pire, c'est que je peux plus perdre une game, hein. La promo, c'est que sur 3 matchs que ça se joue. C'est pas une promo de 5. Ah ouais, c'est un BO3, toi. Mmh. Voilà, niveau 6, c'est quoi? C'est l'arène? Non, l'arène, ça sert à rien, c'est le jump.
Ah, c'est le truc qui court après les gens, c'est ça? Qui jump sur les gens. Non, mais oui, mais ça te TP un peu comme Lee Sin, comme ça. Validé, validé, validé. Non, il s'est fait poutrer, j'ai pas eu le temps de venir. J'ai fait la tour, ce que t'as mis. Il a Undertower aussi, hein. Et en plus, t'as de la régène avec ton pistolet, normalement, non? Oui, mais contre un Brand, je ne peux rien faire. Mais tu peux pas essayer de le... Mais non, il a plus de PO que toi, en fait. Non, Brand, c'est juste OP, je peux rien faire. Est-ce qu'il l'a? Dis-moi que tu l'as, Nasus. Non, il l'a pas. Non, il l'aura pas. C'est trop lent, hein, Nasus, c'est ça le problème. Contre Timo, il sait rien faire, il court beaucoup trop vite. Je vais commencer à pouvoir bouger, mais bon. Dis le SS. Il est là. Oh, il est là. Oh, c'est une question. Je vais gang au top et on en parle plus. Ok, Nasus, ralentir, c'est trop demandé. Trou de balle. Putain, ce mec, il sert à rien. Allez, je vais crever. Hop là. Non, je suis pas mort. Bon, ça va. Allez, 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 allez. Je sais pas si je suis mort, c'est pas si je suis mort. Je suis pas mort, je suis pas mort. C'est bon. Fox. Ouh là 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 là. Il est complètement fou. Oh, ça va, il a un passif. Il a. Il a. Il a pas. Oh, oh, il a. Le rouge qu'il a tué. Oh là, il a de la chatte. Il a de la grosse. Oh, joli. Bon, on reprend la game. Il est bon, hein, le Atrox. Ah, je sais pas si t'as vu les mines qu'il met. Alors, nous de notre côté du Gultar, Roosevelt qui a 2000 PV. Le Rika Onizuka qui a 1700 PV. Par contre, là je viens de faire un truc que les gens ne font jamais. À partir d'un certain niveau. Décaler quand on a un mid alors que c'est la chose la plus importante. Sinon ça va devenir le serveur des fanboys. Il y a les gens, ils disent si Dofuxia gagne le Gultar, on va entendre Dofuxia, Dofuxia tout le temps. Bah, c'est un bon joueur, mais Dofuxia, j'ai rien contre, je m'entends bien avec. Oh, le flou. Putain, Kaiyuju, il est chaud patate. Ils font le Drake. Warn un peu, s'il te plaît, Léona. Ah là là. C'est très chaud, hein. Du côté de Hecate, toutes les vitas sont très basses. Donc, du côté de Joel, ouais, il tempo pas mal. Les pièges de silence qui sont utilisés sur une 4 classes totalement chill. Alors, roulette 450 chances. Il se met en perception. T'es mort? Sans blague. Ouais, j'ai pas regardé. C'était du 3v3, mais non, monsieur ne veut pas venir. Il fait mal le corrier. T'es, il est grand en plus, Brent. Bren, c'est un perso cheat. Et on a un Nasus qui pue la merde. Putain. Laisse-moi le jouer. Sa buveuse, elle a combien? Il est 96. Putain, après 12 minutes. Bah, ça va encore. Oui, par rapport à toi, ça va encore, mais par rapport à d'autres. Il
roulette, 50 retraits de PM. Alors, posons un assidu répulsif. Allez, on push les gars, allez, on push le plus possible, on push. Ne vous inquiétez pas pour les sbires. On... Allez, on tape. Pas grave, je tank, allez hop. Voilà. Je suis mort. Non, je meurs pas. Oh non, mais c'est quoi ce perso? Coupant. Le poison de Twitch qui me tue, quoi. Alors que le poison, ça fait quoi? Du 8 de dommage toutes les secondes. Alors, tour de la yopette. Alors, pression. Il fait zéro. Il met de l'érosion en fait. Ils font que ça depuis le début. Lord Crush qui a 1500 PV. Il refait une deuxième pression. Il lui met un brocle. 151 avec l'intimi. Elle était pas dans le piège de silence, donc elle prend pas de dégâts, donc ça c'est bien. Les cras sont au cimetière, c'est vrai qu'on voit pas beaucoup de cras hein, jusqu'ici. Juste regarder un petit peu, c'est les teams de Hulette ce que ça donne. Donc c'est Krala, le Feka. Oh putain, full team Feka, les quatre combats. Enfin, les 4 teams, pardon. Allez, elle est mise en garde encore. Ce sort est totalement cheaté, il devrait l'enlever. S'il m'a un ulti, il est tous morts. L'ulti, tu peux le mettre 3 fois. Ouais. Ça, Kali. Dis-moi. Oh putain, j'étais un petit peu dans le bush. Oh putain, là, t'as chié, là. Qu'est-ce que j'en sais, on a aucune ward. Toutes les wards c'est des... Pourquoi est-ce qu'il y a autant de wards au top? Cherche pas, on peut pas gagner. En fait, ils voient la bot lane, c'est tout. Non, on voit la top lane. Ah oui. Oh putain, leur Twitch. Alors, roulette 110 dommages de poussée encore. Aïe aïe aïe, faut faire attention au yop. Comment un mec comme ça se fait des potes? Voilà l'exemple. Ok. Il met l'odora sur la yopette pour lui enlever les PA, ça c'est bien joué. 1800. HP sur 1800 de vita max. Excellent, il est autant de vita que mon EK niveau 80. Le Doppel EK qui fait des petits dégâts. C'est vraiment nécessaire de me caisse mon bleu quoi.
Ah là, on va après on va dire que c'est moi le tarde. Putain, Corki, quoi. Voilà, so bad, merci. Putain, c'est toi qui me dis d'y aller, après je meurs. Putain, ça me casse les couilles. On me prend un top, on perd au top. Je vais au mid, je me fais à chaque fois niquer par toutes les personnes feed. Après, je me retrouve avec un vieux score. C'est toujours comme ça. Dis à Corki, so bad. C'est ce que j'ai dit. Et si tu perds la promo, tu retombes à combien de PL? Je sais pas. Je peux être à 90 comme je peux être à 60 comme je peux être à 30. Et si tu rates les deux premiers, c'est bon, c'est tout, tu peux même pas jouer à la troisième. Bah non, ça sert à quoi? À rien. Putain, le Atrox. Ouais non, je vais pas, ça sert à rien. Je vais faire des loots, de toute façon c'est la seule chose que je peux faire. Oh là là, la Yopette qui a mis des dégâts. Elle est seulement à 1600 HP, faut qu'elle fasse attention. Si Bocal commence à taper dessus, on va pas tenir longtemps. Non, je ne viendrai pas à Leona, que dalle, que je viendrai. J'ai pas envie de crever encore une fois pour rien. Mais si vous y allez tous, si, mais. Non, on peut pas y aller, on peut pas, on a perdu. Je peux pas. Caillou, je suis tombé encore avec des tardes. Ensuite, Brand m'a démonté. Et voilà comment perdre une game. Et une fois de plus, je me fais démonter par toute la team adverse. Parce que eux sont 4 et nous les deux. Il retourne avec Corki. Pourquoi? Pour mourir encore, putain! Putain, Trèche qui fait le doublé, ça c'est beau. Oh putain, il me casse les couilles, Corki. Alors, la Yopette. Elle perd des PA encore et toujours. Bon, Ulette va bientôt commencer. Dès qu'ils mettent que le combat ait commencé, ben je changerai. Alors, effet d'optique. Alors, la gelure, les ralentissements. Et Twitch qui fait du design, quoi. Si le Corki te pique tout. Oh le Nasus. Et voilà, ils sont tous morts, et voilà. Ils ont plus de vie, mais ils back pas, tu vois, ça j'aime bien. Faut pas l'activer le pistolet. Si. Mais tu l'actives quand t'es censé tuer quelqu'un. Allez, encore 110 dommages de poussée. Aïe aïe aïe, en plus c'est la Yopette qui joue derrière. Mais elle sera ma WPM, donc techniquement il devrait pouvoir aller taper Rose. Non, il est sous. Non, il va perdre la trêve. Donc il lui met une poisse. Comme ça, il perd un petit peu de dégâts.
Et le bloc. Alors état précipité, il a combien de PA? Il a toujours 12 PA. Ah non, 7 pardon. Donc il bon. Il met une intimi, deux intimi, Keyuju. Oh, trois intimi. Ah non, une libé, pardon. Keyuju qui a 1700 HP. Lord Crush qui a 1500 mais qui perd. Ça s'appelle roulette. Ouais, c'est vrai que là. La roulette dommage de pousser a fait ses effets. Hein. Corki, tu me voles ça, je quitte la game. Et voilà, il me l'a volé. Ah non, ça va. Trop du cul. Tu mérites de crever. Il a essayé. Non, il faut qu'on ait le pire score possible. Comme ça, on verra bien. Alors, les mises en garde. Les attaques nuageuses de Roosevelt qui tapent. Ouh, le crit à 350, ça fait mal ça. La vie de Kaioju qui baisse. Il est plus qu'à. Oh, il est à 1-1-1-1-1. 1111 HP. Mec, si tu veux que je fasse ça par crever. On ne me voit pas, on me one shot. Tu expliques ça comment toi? Il a mis une pink. Non, il a un truc sur sa tête. Ah, un oracle. Alors, faudrait... Si Kaioju tombe, E4 sera vraiment bien, là, franchement. Même s'ils ont pas beaucoup de vita. Oh, il vire TP. C'est horrible une Team Xel, c'est monstrueux. Par contre, il n'arrive pas à l'enlever. Voilà. Kaioju joue à 12 PA. Apparemment, Light Echo ne serait pas là du côté de Silhouette. Oh, le marteau de Moon. Ça fait longtemps. 1200 HP, Lord Crush. Va-t-elle survivre? Ça va être chaud, moi, je dis. Contre-coup qui est mis sur Kaioju. Ce sera que pour un court moment. Ah, il se prend un peu de soin, donc ça va, il est remonté à 2100. Alors, qu'est-ce qu'elle peut taper? Elle peut aller sur Onizuka, je crois. Roulette 5 PO. Les bluffs qu'ils font. Ouh, 263. Oh là 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 là. Roulette 2 PA, aïe aïe aïe. Et 4 là qui va pouvoir faire des gros dégâts à ce tour-ci. Il fait un odorat sur lui. Il fait un archétype sur Lord Crush pour qu'elle remonte dans sa vita. Et maintenant, si Lord Crush arrive à faire un bon tour là, Kaioju il va désaider. Arrête de dire Kaioju, c'est Kaiju. Quoi? C'est Kaiju, pas Kaioju. Non, il s'appelle Kaioju. Comme un jus de pomme, quoi. Caillou, jus. Oh là là, la deuxième roulette PA. Oh là 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 là. Le Doppel qui... Le Doppel qui s'est fait plaisir. Oh là 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 là. Lord Crush qui a 14 PA. Ouh là, par contre... Ouh. Black Knight qui a 600 HP. Il reste 9 PA. Il peut peut-être y aller à la sournoiserie s'il a un peu de dégâts. Non, marteau de Moon, 200 PV le Xel. Il lui reste 3 PA. Non, Black Knight qui survit. Black Knight 75 HP.
Aïe 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 aïe. C'est un massacre. Peut-être une vitalité ou quelque chose comme ça. Non, c'est au tour de Lord Cru. Je pense qu'elle va essayer de focus Kyuju. Comme ça, les deux Xel limite vont tomber. À moins de pousser le Feka à l'autre bout de la planète. Le Xel va déduire. Précipitation. Oh là là, la Xel 18 PA. La Yopette 18 PA, pardon. Attention. Là, elle va essayer de tuer Onizuka. C'est bien joué. 285, 241. Épée du destin. Oh, allez, la vita qui monte. Onizuka à 682 HP. Il lui reste 3 PA. Il a la zone libée. Ouais, il préfère faire une intimité sur Kyuju. Donc voilà, Black Knight va tomber, techniquement. Bocal va le tuer. Donc Joel va prendre de l'avance. Mais par contre, eux, ils ont deux persos qui sont très très mal. On va sûrement voir Roosevelt qui va essayer de faire des dégâts sur Onizuka, quelque chose comme ça. Mais une mise en garde. Non, c'est chaud. Franchement, là, pour le moment, c'est assez chaud comme combat. Alors, Roosevelt. Qu'est-ce qu'il fait? Il va peut-être taper avec Bulle, s'il a la PO. Il lui reste 13 PA. Il met une mise en garde sur Lord Cruche. Il va à la Bulle sur le chaton. Allez, encore. Il peut peut-être faire deux bulles sur... Il se met une mise en garde sur lui. Voilà, la Bulle. Il reste 5 PA, il va à la Bulle sur Kyuju. Ouais, il prend rien. Il ne prend rien, Kyuju. Il y a le contre-coup qui va bientôt tomber dans deux tours. Alors, c'est au tour de Onizuka justement. Il y a Servita qui est remontée. J'ai pas suivi pendant une minute. Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il remonte comme ça? Robe de Xer, nanana. Robe de la fortune. Ah ouais, Lord Cruche par contre qui a pris cher là, 500 PV. Ouais, Joel franchement est en train de gérer là. Ils ont pris l'avance confortable. Normalement, Leka pourra pas faire d'archétype. Il est 3 PM. Roulette, 450 chances. Bon, va-t-il tenter l'impossible? On ne saura pas, de toute façon. Donc, Lord Cruche qui va tomber, sûrement. Leka qui s'avance. Ouais, il y va au destin des Kaflip sur Soul. Ah, ils attendent que la première demi-finale finisse, ça c'est bien par contre. Ça c'est cool, comme ça je vais pouvoir vous proposer les deux combats. Ça c'est très bien. Qui est tombé malheureusement sous les coups. En fait, j'étais tellement en train de lire ce qu'il disait dans les spectateurs que j'ai pas vu les morts. Donc là, ouais, Joel prend vraiment l'avance. Le serveur de Sylphine qui est en train et de Teiko aussi qui est en train de gérer.
Ouais, toutes les vitas qui sont basses. Ouais, non. Franchement, Joe, le très beau combat de leur part. Kaioju qui vraiment excelle. Épique, c'est vraiment joué à rien. Si Kaioju était tombé, je pense que E4 aurait pu gérer. Mais là, c'est vraiment trop tard. Je crois que ça sert à rien de continuer à jouer. Vaut mieux finir le combat et laisser. Et laisser les autres commencer leur combat. Enfin, du côté de Hilith, voilà, immunité de côté de Roosevelt. Ouais, ils tentent vraiment l'impossible, quoi. Ils profitent. Alors, il y va, la frappe de Xel. Oh, il le soigne. Ouh, la frappe à 700 qui est passée. Ouh là là, 900 HP. Le dragon de légende qui va tomber bientôt. Peut-être sous les coups de Onizuka. Alors, il peut se mettre. Roulette. 450 agilité. Ouh là là, il va tenter de le one-shot. 950 de soins. 1452 avec la griffe de Seongal, le bluff qui soigne à 826. Il a de la chance, hein, le dragon de légende. La roulette, le doppel qui soigne, qui tape, qui soigne. Oh là là, il est remonté à 1400 HP. Il lui a fait du 1300. Par contre, il a pris. Oh là là, il a pris glyph à 666, le chiffre du diable. Ça, je vais le copier-coller, c'était beau. Voilà, chiffre du diable. Satan, ils sont en train de le dire. Alors, roulette, 100 dommages de poussée. Mais voilà, le double de saut qui aura survécu tout le combat. Alors voilà, le dragon qui a remis un contre-coup, donc qui est remonté quand même à 2400 HP, mais il va tomber bientôt. Il y a quand même 50% de résistance, quoi. Avec la mise en garde, vous allez me dire. Il a 30% avec la mise en garde, c'est normal, je n'ai rien dit, mais il a quand même des belles résistances à la base. Go, mise en garde. Mise en garde, ouais. C'est vraiment le challenge un jour sacré. L'hôtel, c'est pour nous. C'est pour nous deux cailloux. Alors, moins 8000 cajol pour PV Sanjutsu, ça c'est dommage. Et 4 qui ne gagnera pas cette année-ci, malheureusement. Par contre, Joe, là, ils font vraiment un beau tournoi pour le moment. Abdel, moins 8000, moins 8000. Rose m'a forcé à mettre ça. Plus 12 000 pour Riveda, ça c'est cool. À mon avis, la cote n'était pas en faveur de Jules, c'est vraiment joué à rien. Mais ils continuent sans trop de problèmes, ils vont essayer de faire la parfaite. Bon, ils l'affrontent sans souci. Un petit 4-0. Alors, Onizuka, il va taper. Voilà, réflexe, griffe de Seongal, CC.
recouvre 3 PA. Il n'avoue qu'un chaton. J'aurais dû bouger. Chaton qui s'est pris les glyphes de Roosevelt, qui a pris cher. Roulette 2 PM. Voilà le Doppel qui tape. Le bluff. Le bluff qui continue. Oh là là, le Doppel EK, il est chaud. C'est 4 Goulta terminé. LG se réveille. Ça des fois Joel égale Ulette. Alors le dragon, non la roulette, non, il a passé son tour, c'est bien. Ça a pas commencé. Ouais non, ça a pas commencé. Voilà, dragon de légende qui tombe. Il reste plus que Roosevelt, le président. La SRAM qui fonce. Le dope. Non, le dupe qui tombe. Oh. Alors, le 7ème tour, les mises en garde, l'archétype, ouais non, ils veulent vraiment, ils changent pas d'optique quoi, ils veulent pas faire les cons, ils foncent. Ce panda, c'est la même map. Ça, c'est cool quand même qu'ils attendent. Déjà, l'année passée, je crois qu'ils avaient fait ça. Roosevelt qui essaie de taper quand même. La TP du Xel. La Libé. On va peut-être y aller à la frappe de Xel. Non, il va à l'horloge. Il crit quand même à du 200. 1300 PV. Roosevelt qui aura quand même tenu encore deux tours, hein, c'est bien. Il aura tenu jusqu'au 18. À moins que Onizuka fasse du moins 1300. Roulette, 110 dommages de poussée. Non, il n'y aura pas. Il va au bluff. Bluff au. Griffe de Seangal crit, griffe de Seangal crit, 700 PV. Voilà, 18ème tour. Alors. Saw qui va au poison assidu. Poison, piège empoisonné. Et invisibilité. Alors. Charmeuse. Il continue à la mise en garde. Hein. Il fait chier, un bocal. Il veut pas taper. Ah ouais d'accord, je comprends pourquoi il veut pas taper. On fait quand même du 190 à la Libé.
Alors, il lui reste 222 HP. Il tape quand même à la bubule. Il va tenter le kill. Mais la trêve. Oh là là, il fait vraiment durer le combat. Il joue le match nul. Ah, il va l'avoir à la libé. Non, il peut pas, il a déjà utilisé. Roulette, 400 agilité, là il va le mettre. Le kill à la libé. Allez, boum. Allez, Joel, allez, Joel, allez, Joel. Non, il le tue pas. Il fallait au dessin des caflips, voilà. Donc, victoire de Joel. Victoire parfaite en 18 tours et en 1h19. Je vais vite couper, je vais déjà faire le rendu. Comme ça, on peut y aller pour Ulette A. A tout de suite.